Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, les membres du jury. Je me présente, je suis Isis Venom. Je suis ministre du désenclavement. J'ai 13 ans et je suis au collège Rébert-Néran. Guyanais, Guyanaise, je fais le constat que quand nous allons à l'extérieur de notre pays, la Guyane, il y a des routes qui mènent au fin fond de communes ou de villages isolés avec moins de 100 habitants et pas des chemins chiens comme ici. Pourquoi vivons-nous dans une Guyane fermée dont les communes sont inaccessibles par la route? J'ai fait le constat qu'il y a des routes que sur la côte pour se rendre à Maripasoula, Papaichtan, Saül, Wanari, Saint-Élie, les communes de l'intérieur de la Guyane. On doit prendre l'avion sans oublier que le coût du billet est élevé, la pirogue ou encore des pistes périlleuses, surtout en saison des pluies. Ce qui est difficilement envisageable pour une famille nombreuse. En tant que ministre du désenclavement, je réaliserai des routes pour désenclaver le pays et rendre toutes les communes de Guyane accessibles pour la libre circulation des personnes et des biens, pour une Guyane ouverte aux Guyanais. En tant que ministre du désenclavement, je réaliserai le projet d'un aménagement d'une voie ferrée de Justin Catayé, que je ferai d'ailleurs fonctionner avec des panneaux solaires. Et la pluie ne sera pas un obstacle, car même en saison des pluies, il y a du soleil. Et le train fonctionnerait aussi avec du charbon. Ce train transportera des gens, Guyanais et touristes, et des marchandises produites ici, en Guyane, dans nos exploitations. Ce train traverserait la forêt guyanaise, de Regina à Maripasoula, et de Wanari à Kamopi. Ces marchandises seront aussi transportées par camion, grâce au nouveau réseau routier, vers une Guyane ouverte à l'autosuffisance alimentaire, au lieu d'attendre des conteneurs qui viennent de l'autre bout de la planète, qui remplissent nos supermarchés et vident nos portefeuilles. Il faudra étendre aussi les champs de manioc, d'igname, patates douces, d'oranges, de citron, etc. sur le Maroni, à Saül, à Wanari, à Kamopi, dans l'intérieur de la Guyane comme sur le littoral. Nous ferons aussi notre propre sucre, car nous achetons du sucre de Réunion, Martinique, Guadeloupe ou de France, mais pas celui de Guyane. En tant que ministre du désenclavement, je relancerai le projet de l'usine de sucre de Christiane Taubira à Wanari, qui serait accessible en train. Car à Wanari, il n'y a aucune activité industrielle et professionnelle pour l'instant. Des usines d'agrotransformation seraient mises en place. Des ingénieurs, chercheurs, ouvriers seraient formés au lycée agricole de Matiti et à l'université de Guyane. Et grâce à ces routes qui désenclaveront le pays, il y aura une autosuffisance alimentaire. C'est ma politique de désenclavement économique. Et en tant que ministre du désenclavement, au lieu de faire des barrages hydroélectriques qui détruisent notre biodiversité, avec la collaboration du ministre de l'Environnement, Yann Jean-Baptiste, ici présent, et le ministre de l'Économie, j'aurais utilisé la savane qui brûle en saison sèche et sinon dans saison des pluies pour faire des champs de panneaux solaires comme notre voisin l'Argentine. Jusqu'à peut-être ne plus payer d'électricité et en revendre à nos pays voisins, le Brésil et le Suriname. Ceci désenclaverait le pays, car ces champs seraient situés à l'intérieur de la Guyane, car il y a aussi de la savane dans ces lieux-là. Et on gagnerait notre indépendance dans la fourniture d'électricité grâce à ces nouveaux réseaux routiers. C'est ma politique de désenclavement énergétique. Merci de m'avoir écouté. Isis Venom pour une Guyane en marche. Il faudra applaudir pour tout le monde. Parce qu'il faut avoir du cran pour faire ce qu'ils ont fait. Pour nous causer, toquer, 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 l'amour.
toque, 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 libre. L'amour que la paix pour contrôler.